Coucou tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'ai retrouvé mon bébé. Du coup, cette semaine, on va faire quelques activités et je vais vous montrer ce qu'on va faire. On va aller à la cité des sciences et à la cité des enfants surtout. Elle adore ça, mais d'habitude, elle prend. Je prenais les billets 3-7 ans, il me semble. 3-7 ans. Du coup, là, on va faire celui de 5-12 ans. Donc, c'est la première fois qu'on y va. On va partir en voiture avec ma maman. Donc elle va venir dans quelques minutes. Cet après-midi, on ira à la cité des... La musique. Cité de la musique, voilà. On n'y a jamais été et elle a une petite activité pendant une heure à faire. Donc je vous embarque avec moi parce que tous les jours, on a prévu quelque chose. Enfin, tous les jours jusqu'à mercredi. Et ce sera cool. Vu qu'on n'a pas pu partir en vacances, on va faire beaucoup d'activités. Beaucoup d'activités, c'est dommage. Mais on reste à la maison pour profiter de la maison et profiter du mium. Parce que moi, ça fait longtemps que je n'ai pas vu le mium parce que j'étais chez papa. Oui, enfin là, on ne va pas être dans la maison aujourd'hui. On va être à Paris. Ah oui, c'est vrai, on va être à Paris. Hein. Mais ce soir, tu la verras. Faire des grands gestes pour que l'orchestre joue plus fort. Faire des petits gestes pour qu'il joue moins fort. Bravo! Maintenant... Bon, ce matin, on fait un petit peu les devoirs parce que... Je l'ai laissée tranquille toute la semaine dernière quand elle était chez son père. Donc là, il faut retravailler un petit peu. Bon, ça va, on est lundi, il nous reste une semaine pour refaire. Donc on va faire un exercice. On en a fait deux et la poésie à revoir. Et puis je la laisserai tranquille et on fera le reste un peu chaque jour quand on aura le temps. Bah oui, c'est encore à moi vu que t'as pas le droit de jouer. Bah non, je me donne. On a Miraculous. T'es contente? Le carnet que mamie m'a acheté. C'est la croisière de Miraculous. Miraculous. T'es contente? Oui, et puis le stylo à mamie. Alors, il y en a qui disent qu'il faut se mettre le stylo. Bon, on verra bien. Non, c'est celui-là.
Et là, on voit très bien le coffre. Alors, désolée, je sais pas ce que je vais faire. Bah, je vais t'expliquer. Il n'y a pas assez de place. Alors, je vous ai pas appris aujourd'hui. On est mardi. Hier, on a fait Halloween, mais j'ai complètement oublié ma caméra. En fait, on a été dans un endroit qui fait Halloween, pas un peu loin de chez nous, mais pas trop trop. Et du coup, on voulait qu'elle se fasse maquiller, ma fille, mais on a attendu trop longtemps. Du coup, je l'ai maquillée moi-même. Il y avait plein de décors, c'était super sympa. Il y avait des ateliers cuisine et tout, mais il fallait s'inscrire avant, on s'était pas inscrit. Parce que de base, nous, on fêtait Halloween avec une copine à ma fille, à Eloa. Elle s'appelle Chloé, et puis elle est super gentille. Ah bah vraiment. Oui. Du coup on a fait ça et c'était quand même cool. Bon elle a eu peur, il y avait des personnages qui étaient vraiment beaucoup beaucoup Et puis il y a une fille qui a fait comme ça à un moment de prendre ma tête et fait... T'as eu peur. Et les clowns aussi. Elle est bizarre, le clown méchant là aussi. Vous avez... La dame elle faisait comme ça. Attends, elle... Attends. Après on a fait la chasse en bonbons et franchement on l'a fait... Du coup, à côté de la maison de sa copine, du coup, c'est que des maisons. Et elle a eu son seau rempli. Quand on est rentré à la maison, on l'a refait dans notre immeuble. Et du coup, ils avaient aussi des bonbons. Du coup, elle a vraiment fini avec un seau rempli de bonbons. Un seau rempli de pâtes. Et mardi, je vous ai pas pris en face aujourd'hui. Ce matin, c'était un peu la course. Vu qu'on s'est réveillé tôt et qu'on a dû partir tôt. Oui, c'était de la course parce que en fait, on a dû. Mamie, elle change d'heure à chaque fois, elle se décide jamais. Nanana. Là, on est encore avec mamie, mais elle s'est décidée. Enfin, oui, cool. Mais on pensait pouvoir aller à Paris en voiture, mais en fait, il y avait beaucoup de routes, enfin d'heures de route. Il y avait beaucoup de temps pour y aller, du coup on a préféré y aller en transport et ça nous a avancé vachement l'heure parce qu'on est en jour férié, du coup il y a moins de transport. On a fait une croisière miraculeuse, donc c'est pour vraiment découvrir les monuments de Paris. Et regardez, j'ai eu ça. Ouais, j'ai montré tout à l'heure à la caméra. Un petit carnet, il y avait une énigme. Carnet. En fait c'était vraiment un petit jeu pour découvrir un peu les monuments de Paris. Bon, je vous avoue que je pense pas que les enfants écoutent vraiment ce qui se passe dans le jeu des acteurs pour découvrir... monument. Moi j'écoutais C'est un vlog. T'as écouté? Bah oui, ça vlog. Attends, on a une vidéo là. YouTube. On est mercredi. Hier, je vous ai complètement laissé à l'abandon. En fait, j'étais en train de parler et après ma famille est arrivée. Donc, mon neveu et tout ça. Donc, j'ai arrêté de parler. Donc, c'était pour vous dire qu'après, on a été au musée de l'armée pour mon neveu et puis aux Invalides, etc. Il y avait une exposition sur les forces spéciales et mon neveu, ça l'intéresse, donc voilà. Et c'était très joli, ma fille a beaucoup. Et ensuite, on a mangé un petit goûter, donc une crêpe et une glace pour ma fille. Et après, on est rentrés. Et là, cette nuit, elle a dormi chez ma maman. Parce qu'en fait, normalement, j'avais pas prévu de prendre des jours de congé, donc c'était ma maman qui devait la garder. Donc je lui ai laissé quand même un peu pour qu'elle profite d'elle. Apparemment, elle s'est réveillée à 6h45 ce matin. Et nous, avec mon chéri, on a eu très... On a eu beaucoup de mal à dormir ce matin, on s'est réveillé vers 4h, 4h30, je sais plus. Hier soir, j'étais vraiment éclatée quand on est rentré. J'avais très très mal au bassin, j'ai fait tout ce qu'il faut pour le bassin, des étirements, le rouleau de massage, la boule sur mon bassin, mais j'ai encore mal. Le programme aujourd'hui, du coup, c'est la dernière journée où vraiment je fais beaucoup de choses avec ma fille pour ces vacances-là. Après, il y aura le week-end, on n'a pas prévu de choses encore, mais on va sûrement faire des choses aussi ce week-end. Demain et après-demain, elle ira chez sa nourrice qu'elle a depuis qu'elle est toute petite parce qu'il faut que je travaille aussi. Et en fait, elle l'a pas vue depuis très longtemps parce que le mercredi maintenant, comme elle a deux activités, elle ne peut même plus y aller l'après-midi. Et du coup, elle l'a pas vue et ça va lui faire plaisir d'aller là-bas et de jouer avec les autres enfants et d'aller la revoir, tout simplement. Là, c'est le programme aujourd'hui. Du coup, comme ce matin, je suis un petit peu toute seule, je suis en train de plier mon linge, pas ma machine à laver. Donc ma maman me fait mes machines, voilà. La buanderie est enfin terminée, donc je vais pouvoir remettre la machine en route demain. Comme ça, je vais
pouvoir refaire mes machines à laver. Donc ça sera plutôt cool, ça a pris du retard et ça m'a beaucoup énervée. Donc du coup je vais plier mon linge. Ma fille va à la piscine tous les vendredis soirs à peu près depuis longtemps hein, avec ma maman, et c'est comme ça qu'elle a réussi à savoir nager sans les brassards très tôt. Enfin pour moi c'est assez tôt parce qu'elle savait déjà nager avec les brassards un tout petit peu avant les vacances scolaires, donc à 5 ans et demi quoi. Mais c'est vrai que cet été on lui a quand même laissé les brassards au cas où, et là elle sait vraiment nager sans les brassards. Elle veut me montrer comment elle nage sous l'eau, comment elle saute, et moi je suis pas très piscine, j'aime pas ça, j'aime pas forcément ça, j'aime pas avoir froid, j'aime pas me montrer à la piscine, voilà. Mais pour lui faire plaisir, je l'accompagne aujourd'hui. Ça lui fera plaisir et je pense si j'arrive à nager un peu, ça me fera sûrement du bien à mon dos également. On va prévoir un petit pique-nique pour manger rapidement et on va au cirque d'hiver. De base je voulais l'emmener peut-être voir le roi lion, mais c'est super cher, il resterait pas beaucoup de place, en tout cas pas les bonnes places pour bien voir. J'ai hésité aussi à aller voir un théâtre pour les enfants parce que je sais qu'elle adore ça, on avait été voir Aladdin l'année dernière. Mais je sais pas. En fait, ma fille, elle adore Incroyable Talent et on regarde souvent en replay. Enfin, tout le temps en replay d'ailleurs. Je me dis que le cirque, ça va vraiment lui plaire. Donc voilà, on va au cirque d'hiver de Bouglione. Je l'avais déjà emmené pour voir les Folies Grusses, il me semble. Elle avait déjà beaucoup aimé. Donc là, je la remène et voilà. Normalement, je suis pas trop pour les cirques, pour tout ce qui est animaux, etc. Normalement, il y en a presque plus. Je crois qu'il n'y a que les chevaux maintenant. En tout cas j'espère que ça lui plaira, mais c'est en fait encore un aller-retour à Paris et beaucoup du coup on reprend les transports, on prend la marche, etc. Mais voilà, c'est le dernier jour et après je me calme entre guillemets de bouger dans tous les sens comme ça et je reprends le sport vraiment. On est au spectacle et en vrai on va... Mais c'est pas un spectacle, mais c'est un cirque. Mais on n'est jamais venu ici dans ce cirque-là, mais sinon on est devenu un cirque. Bon, allez, le programme du spectacle. On est vendredi, donc je vous ai pas filmé hier. Comme je vous ai dit, j'ai pas grand chose à vous montrer pour la suite de la semaine parce que là, ma fille, je viens de la déposer chez sa nourrice. On travaille, on est en train de faire la buanderie, etc. Donc c'est chaud parce qu'on a essayé de monter le meuble hier et c'était une catastrophe. Là, du coup, mon salon est envahi. Toute la maison est en bordel de ouf alors que la buanderie fait à peine 2 mètres carrés. Je comprends pas comment c'est possible d'avoir autant de bazar alors que cette pièce fait 2 mètres carrés. C'est un mystère. Du coup, là, je vais devoir tout ranger avec mon chéri avant parce que là, j'ai une cliente qui arrive dans une heure. Je continue de me réveiller très tôt le matin. Franchement, j'en peux plus du tout là. J'ai des insomnies tous les matins. Et le soir, je suis fatiguée. J'ai un énorme coup de barre, mais j'arrive pas à dormir. Donc, c'est un peu... un peu compliqué niveau fatigue, niveau douleur aussi. Je pense que j'ai un petit peu abusé d'avoir fait tout ça avec ma fille au début de semaine parce que j'ai eu très mal au bassin et hier j'en ai fait un peu les frais aussi, j'ai eu énormément de contractions, donc je me suis reposée, je suis pas allée du tout au sport ni rien, je suis restée calme. En fait je me suis pas reposée mais je suis restée calme niveau physique et j'ai travaillé et là ça va être pareil. Du coup je vais clôturer ce vlog ici, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.